Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai présenté mon retour de cours et dans ce retour de cours je vous présentais donc le livre Batch Cooking au Cookeo, c'est facile. Donc j'ai décidé de le faire cette semaine et qu'on le fasse ensemble. Je vais tout faire ensemble, comme ça je vais exactement savoir combien de temps je mets pour préparer les 5 repas de la semaine. La seule chose que je ferai, c'est que je demanderai à chéri d'éplucher les oignons, parce que lui a des lentilles, donc il ne pleure pas. Moi je vais pleurer comme une madeleine, donc je préfère lui demander. Alors je vais vous énumérer donc ce qu'il y a cette semaine, hein, si je retrouve ma page. Voilà. Donc on a un wok de nouilles au poulet, des saucisses lentilles, mais comme je vous l'avais dit, je ne vais pas faire des lentilles, je vais faire des haricots blancs avec, une carbonade flamande, un poulet façon pastilla et une soupe de butternut. Donc ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter donc tout ce qu'il y a sur l'îlot pour que vous voyez tout ce dont on a besoin pour réaliser donc le batch cooking de la semaine. A tout de suite. Alors voilà tout ce qu'il y a besoin donc pour faire cette semaine de batch cooking avec le Cookeo. Donc du paleron, mais moi j'ai pris de la viande à bourguignon, du poulet qui est ici, une saucisse de morteau, de la bière brune, un cube de bouillon, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, de la fleur d'oranger, c'était facultatif mais j'en ai, alors ça tombe pas plus mal, de la crème de coco, de la sauce soja salée, de la moutarde, ensuite il faut des lardons fumés, il faut des tranches fines comme ça de fumée de poitrine. Alors combien il en faut de... Il en faut 300 grammes. Oui, là, effectivement, j'en ai 200. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris 400. Il faut 8 feuilles de briques qui sont en dessous. Des pâtes fraîches, du laurier, du thym. Donc, ça a plusieurs épices, c'est-à-dire du gingembre, du curcuma, de la cannelle, du cumin, des clous de girofle, du sel et du poivre. Donc, en légumes, on a besoin de... beaucoup d'oignons, 9 oignons, 2 pommes de terre, un poivron rouge, un brocoli, un butternut bio pour pas avoir à l'éplucher, 7 carottes qui sont derrière de l'ail, du sucre cassonade, des amandes effilées et des nouilles asiatiques. Donc voilà tout ce dont on aura besoin pour faire le batch cooking et c'est parti, on s'y met. À tout de suite. Je vais vous dire l'heure. Il est 13h49. Je ne sais pas si on verra bien. Comme ça, je vais pouvoir voir combien de temps je mets pour préparer tout ça toute seule. À l'exception, comme je vous l'ai dit, des oignons. Là, j'ai demandé de l'aide parce que je n'aime pas couper les oignons. Donc, on me demande dans un premier temps de préparer, de réaliser la marinade de poulet. Donc, je me suis lavé les mains, il n'y a pas de souci. Et de couper des escalopes de poulet en dés. Donc c'est ce que je vais faire. Alors normalement il faut 8 escalopes de poulet, mais j'en ai combien? J'en ai 6, on le fera avec. Mais elles sont des grosses, alors je pense que ça va le faire. Hein. Voilà, donc
Mes escalopes sont coupées. Maintenant, on me dit de mettre la moitié dans un plat avec 5 cuillères à soupe de sauce soja. Alors, la moitié. Je pense que la moitié, ça devrait suffire. Donc 5 cuillères à soupe. Est-ce que je vous avance parce que là vous êtes loin. Voilà. Alors 5 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe d'huile de sésame. Mélangez bien et laissez mariner au frais. Voilà, c'est fermé, je mets au frais et on se retrouve pour la suite. Alors, deuxième point, lancer la cuisson de la carbonade. Donc peler les oignons, ça c'est fait, chéri me l'a fait. Il m'en a coupé 3 en rondelles et il a ciselé les autres. Éplucher les carottes et couper en 6 en rondelles et une en bâtonnets. Bon, alors voilà les carottes. Je vais enlever ça. Allez, c'est parti. À l'autre. Donc bah, je vais en couper une tout de suite en bâtonnet. Et donc les autres, 6 c'est ça? Ouais, les autres en rondelles, on est d'accord.
Donc ça c'est fait. Oups. Qui est tombé. Hop, poubelle. Bon ben je vais ranger ça là-dedans en attendant. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on me demande, c'est de couper le paleron et la poitrine en gros dés. Donc, bon, on va déjà couper. Il est déjà coupé, donc c'est juste vérifier que c'est bien coupé, quoi. Bon, j'ai donc coupé ma viande comme il était demandé et maintenant on va procéder à la cuisson. Donc je vous installe à côté de mon cookéo et on se retrouve pour la cuisson. J'ai oublié de couper la poitrine, donc il m'en faut 300 grammes. Alors, j'ai mis mes oignons. Malheureusement, je pensais que ça filmait, mais ça ne filmait pas. Donc, j'ai mis mes oignons à réchauffer. Donc là, ils sont translucides. Je vais pouvoir ajouter la viande. Alors, est-ce que je dois mettre tout? Je vais regarder ce que ça dit. J'ai déjà fait dorer la moitié de la viande parce que tout ne tiendra pas. Le bon c'est la poitrine, je vais mettre la moitié. Je vais donc mettre la moitié de la viande et la moitié de la poitrine. Hein. Alors en fait c'est parce que la batterie était vide. Voilà pourquoi elle s'arrêtait de filmer. Donc là j'en suis à ma première plâtrée, on va dire, de viande et de poitrine fumée. Donc je fais bien revenir ça. Ensuite j'enlèverai et je mettrai donc la deuxième fournée avec le restant. J'ai ramené la poitrine fumée pour pouvoir mettre ensemble. Donc là ma viande la viande est bien revenue. Je vais pouvoir l'enlever pour y mettre le reste. Voilà, donc ma viande est bien revenue avec la poitrine. Je vais pouvoir ajouter donc une cuillère à soupe de farine.
et je vais mettre la bière. 50 centilitres de bière brune. Donc, 50 centilitres de bière. Alors, ensuite, 3 carottes en rondelles, sachant que là-dedans, j'en avais épluché 6. Je vais donc en mettre que la moitié. Voilà. 2 cuillères à soupe de cassonade. De laurier, deux brins de thym, deux clous de girofle, et donc on programme en mode sous pression pendant 40 minutes.